Il a raison, il est Les gars, je trouve un chien errant. Je trouve un chien errant. Est-ce qu'on le fait rentrer ou pas? Oh putain. Voilà. Laisse-lui la place, laisse-lui la place. Non, non, reste devant, reste devant. Laisse-lui la place. Non, reste là. Mais tu participes au jeu. Donne-lui l'ardoise. Non, non, non. Par contre, si ça finit la faux, c'est Pépita qui prend la balle. Non, 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 non. En quelle année? Là, normalement, JP, il a l'avantage. Il a l'ardoise et tout. Comment je vais l'allumer? Vous pouvez jouer à deux. Il est mort. Tu peux l'aider. Mort. En quelle année est sorti le premier Street Fighter? Non, mais c'est Kim qui prend la balle. Oui, oui, non, non, non. Si, si, si. Non, 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 la tête de moi, la tête de moi, c'est pas le coup. J'ai regarde, je jure. Wallax. Monsieur Amdaoui, monsieur Amdaoui, monsieur Amdaoui. Commencez pas. Si on changeait les règles et que c'est Kim qui prend la balle, voilà, j'arrête de jouer. Voilà, j'ai dit. Non, non, voilà, non, j'ai juré, non, c'est trop tard. Non, en plus, j'ai juré, c'est trop tard. Attendez, le gouvernement français. Voilà, j'ai juré. Bonjour, ici le gouvernement français. Nous pensons que Jean Pourmanov serait parfait pour montrer les dangers du crack en France. Seriez-vous d'accord pour faire une campagne de prévention? Merci. C'est pas une mauvaise idée. Mais est-ce que chaque live n'est pas une campagne en elle-même? Mais de toute façon, je connais la réponse. C'était au même moment que Christophe Colomb il a découvert l'Amérique. Ouais. Je crois en 1700 et quelques. C'est ça. Non, les gars, les gars. Si, il y a un truc comme ça, je crois. On peut montrer les ardoises. JP. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. JP, tu es le plus gros ingrat de la Terre. Tu as des frères qui sont là, qui t'ont sorti de la mer des genres. Une fille te next, tu les considères plus. Tu dis que tu es seul et tu fais le miskin pathétique. 1950, 1780 et 1993. La réponse était 1987. Ah, là, j'étais pas loin. 1950, y'avait même pas de console. J'étais pas loin. J'étais genre... C'est la guerre. Je crois que la première console de jeu, ça 39, doit être 1970. 5 ans après la guerre, il joue à Street Fighter. Bon, 1980. La première console, c'est quoi? Pong. Pong, ça devait être dans les années 70, je pense. 80 max. Non, mais jamais 50. Il est né en 1955. Et il disait qu'il jouait déjà à un truc de des raquettes. Oui, mais il jouait pas à la naissance. Il y a Hitler, il y a joué quand il était ado. Ado, il a combien? Il a pas gagné le tournoi d'Allemagne sur Street Fighter. Bon, allez. Bon, allez. 300, 310. Bon, vas-y, viens faire Team Mumbai. Non. Si ça fait une plus loin. Toi aussi, 1700, t'es fou. Je le fais avec vous ou pas? Bah, en fait, mais parce que moi. Ouais, parce que toi, personne ne peut te toucher en fait, j'ai capté. Non, c'est parce que. Rapproche-toi, il faut qu'on soit les mains tous à côté. Je pensais que c'était au même moment que Christophe. Vas-y, approche-toi, c'est pas dans le truc. 3, 2, 1. 3, 2, 1. JP. De quoi JP? Bah, t'as fait ça, voilà. On a fait ça. Mais pourquoi on lui joue quand on fait Team Mumbai? Et parce qu'il peut pas prendre de balles. Donc, on est obligé. Il va prendre pinball, gros. Et ben là, c'est à toi. Et là, il veut pas. Parce que quand tu tires, allez. Tu vas prendre l'honneur, toi. Non. Voilà. Non. Ce qui m'ouvre la plaie, c'est recevoir des coups dessus. À toi, l'honneur. Dessus. Ouais. Voilà. Des coups dessus. Qui place-toi sur celui-là. Là. Le mur, on va le changer de toute façon. Changer quoi? Il n'y a plus qu'une place. Il est mort. Ben. C'est des plaques. Allez, vas-y. Mais tu tires. C'est moi. Mais pourquoi tu tires? Tu peux pas te faire tirer. Mais c'est deux tirs. Tu préfères que je tire moi? Depuis tout à l'heure, c'est ça, on fait comme ça. Je te déconseille. Alors, il peut pas se faire tirer dessus, mais il peut tirer. Je me fais massacrer. Il est une opération. Une opération. Alors, t'as qu'à te faire opérer. Une opération. T'as qu'à te faire opérer. Bah, une opération. Vraiment, si tu veux pas avoir très mal, il faut que tu te mettes un peu comme ça, sinon tu vas souffrir. Ça va pas tirer déjà. Ok, ok, ok. Attends, la caméra. J'ai souffert, moi. Je pense que c'est l'odeur. Tout à l'heure, je me fais bomber. Ou la radioactivité. Alors. Attention à ta tête. Oh! Attention! Une attaque! Lui tape pas le dos! Lui tape pas le dos! Mais il tire dans le cul! Tu sais viser au fait? Est-ce que tu sais viser, fils de putain? T'as la race des chiens! Oh, Kim, il rigole un peu trop! Hein? Ah bah, Kim, il se moque de toi! J'ai pris cher! Oh, Kim, il se moque de toi! Est-ce que tu sais viser? Mets tes lunettes, gros! Ou mets tes œillères, je sais pas! Vu que t'es un cheval! Fidèle à lui-même! Il vise là! Ouais, mets-toi sur ce truc, on sait jamais pour le mur. Vas-y. Fidèle à lui-même! Place-toi un peu plus. Oh, fais gaffe à la porte. D'accord, attendez les gars, y'a un dent! Oh! Respectez les dents!
Ah ouais, en mode tu reviens comme ça, comme si de rien n'était. Ça fait 2 heures que tu es dans une pièce. T'es là, tu t'en bats les couilles de tes abonnés, frère. Regarde bien ton chat, regarde bien comment ils sont énervés. Vas-y, là, amène-toi. Le chat est en colère. La commu est en colère. Moi aussi. Tu crois que je suis en colère, moi? On s'en fout de toi, c'est la commu qui décide. Mais toi, ferme ta gueule. Allez, JP. Les stagiaires, on s'en balance. Allez. Là, JP. Ah, il préfère le prendre de face. Il préfère le prendre de face. Allez, je retire le mot. Vas-y, je retire le mot. Allez, je retire. Allez, vas-y. Je retire stagiaire. Non, c'est bon, fais plus rien, juste. Je remplace par Serpire. C'est bon. Wow. Non. Il va pas tirer, gros. Mais... Tire pas sur le setup, gros. Tire pas sur le setup. Il va tirer 6 fois sur le setup. Gros. Quoi? Moi, je l'ai pas vu. Non, pas une seule fois. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Ça a touché une fois le clavier. Oui, ta mère, c'est une menteuse. Alors. En quelle année est sortie la première Xbox en France? JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Xbox en France. Casse-toi, JP, tu nous pas à respecter, on veut plus de toi ici, stagiaire. Prends tes affaires et rentre à Metz. C'est la. Bon, vraiment en colère. 360? Non, la première Xbox. La Xbox, tout court, Xbox. Ah, Counter-Strike et tout. Moi je l'avais. Moi je me rappelle, je jouais à Counter-Strike sur ta Xbox. Montrez les ardoises! Il y a 3 jours, lol. 2000 et 93. Non, JP, je peux pas accepter ça. C'est quoi? Elle est sortie en 2002. Mais moi, je suis plus proche de 2002. La première, je lui ai dit 2002. Même moi, j'ai dit il y a 3 jours, je suis plus proche. C'était la concurrence de la PS2. Attends, ne me dis pas qu'il est plus proche. Je suis plus proche alors que j'ai dit il y a 3 jours? Non, quand même pas. Moi que aussi, il y a 21 ans et toi? Non, si, n'abuse pas, toi. Je lui ai dit 2002, la vie de ma mère. Ah, c'est pas loin, hein, la vie de ma mère, c'est pas. Je suis sérieux. Je l'avais dit en plus. Je suis sérieux, frère. Casse-toi, par pitié, je te paye ton vol vers Metz. Je t'offre même une couverture pour ton emplacement sous ton pont. Team, boom, bye. La commu-reine. Boom, bye. Team, boom, bye. Team, boom, bye. Il a fait ça. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Tu reviens normal et tu es full insulte retour non. Chez toi sale ingrat de merde. Vendre le premier tu te fermes et tenir tes lives et as personne. Qui va. Quel tu es Joker. Vraiment un pauvre type. Quel Joker frère, t'as fumé, qu'est-ce qu'il raconte? Il fait faux à chaque fois gros, il sait pas, il fait faux. Demain, hier, avant-hier, donc tu t'achètes dans la cul de la chatte à sa mère. À partir du prochain tir, si ça finit à faux, c'est Kim qui prend. Pourquoi il joue? C'est Kim qui prend, t'es d'accord? On a une stratégie. Pourquoi il joue? T'es bien d'accord pour que ce soit lui qui prenne? Il joue, bah Kim joue à sa place. Non. Allez! Et Kim joue à sa place. C'est tout. Donc, il est bien content, il va shooter. Voilà. Il est bien content, il shoot, mais il prend depuis, pas juste. Depuis tout à l'heure, je t'explique, ça fait 2 heures, nous on se fait allumer. Ça fait 2 heures qu'il met l'enquête. Ça fait 2 heures, toi t'es dehors, nous on se fait allumer. Ouais, lui il s'est fait beaucoup allumer. Oui. Allez! Bon, plus fermé ta gueule. Mouille le maillot, casse-toi. Allez, viens. Mouille le maillot, casse-toi. Il y a un peu de caca. C'est bon ou quoi? Regarde la tête. Arrête de regarder. Ouais, pas la tête. Cache-moi, mais m'en regarde pas, tu vas prendre dans la tête. Ouais, bah, je m'en bats. Vas-y. Vas-y, 3, 2, 1. Regarde le PC. Ça va. Ça a rien touché. Ça a rien touché. Là, t'as un écran qui est cassé. Mais c'est qui? C'est qui? Qui c'est qui a tiré sur l'écran tout à l'heure? S'il y a un. Non. Qui a tiré sur l'écran tout à l'heure? Mon écran, je m'en bats les couilles. Ok. Non, ça marche pas comme ça. S'il y a un écran qui est pété, c'est avec les dents. Voilà. Si tu le casses l'écran, on va le racheter avec l'argent. Commun. Donc. Pas c'est ton écran. Les gars, il faut être impartial. J'ai pas visé. Vise. Quoi? Les gars, y a un don. Juste. Oh. Bah dis donc. Mon frère. J'ai un don, mon frère. J'ai pris un don. Pas Babybel. Oh, on a pas de don. Regarde ton chat, trou du cul. Là, tu vois, c'est une grosse pipe à dents. C'est le clampin. Ta mère, voilà. Bon, là, il, a il est en colère, le Sénégalais. Il est énervé. Alors Kipé. Quoi? Ouais, j'ai rien à foutre. Gwen, arrête d'être gentil avec lui là à dire que c'est l'autre qui prend pour lui sérieux. T'oublie vite ce qu'il a fait. Oh les gars, SRX, c'est comme ça qu'il va se dire je peux recommencer. Non, mais les gars, dans un jeu, il faut toujours être impartial. Pas d'Autriche. Ça veut dire quoi, impartial? Un jeu, c'est un jeu. Impartial, ça veut dire il faut être juste dans le jeu. Ouais, donc... Malgré que l'autre, il a été
pas cool, l'autre cool. Un jeu, c'est un jeu, sinon on fait pas de jeu, les gars. Ok, vas-y, c'est bon. Alors, combien de Xbox 360 ont été vendus? Ouais. La Xbox 360, les gars. Combien la PS3? Attends, je... Non, mais pas fort. Commencez pas. La 360 a été sortie en même temps que la PS4. PS3. PS3. D'ailleurs, pour moi, c'est la seule génération où Xbox, ils ont fait mieux que PlayStation en termes de qualité. Je sais pas vous, mais moi, j'ai préféré la 360. Il est où, Starlito, là? À la PS3. Chat en colère, tout à l'heure, ils sont en colère. Ils vont rire à mort. Ah, le chat, vous êtes des tueurs. Sur la vie de ma mère, vous êtes des tueurs. C'est pas... T'sais qu'en plus, il y a un mode lent, 5 secondes, wesh. Regarde comment il se prend. En colère, en grève. Hey, y a on a un chat de gréviste. Eh, hey, la tête d'homme, il y a un mode lent de... C'est le chat de la SNCF. Alors. Et tu sais que depuis tout à l'heure qu'il m'aide, hein, je dis rien. Non, mais je lui ai dit le droit. Ah, mais ah, ok, ah, c'est dingue. Et oui, okay. Il va prendre des balles, il a le droit un peu de participer. Il joue à deux. Ah, ok, bah, mais n'oublie pas bah on joue à deux. On joue à deux. Non, non, mais n'oublie pas que. Mais c'est bon, frère, c'est n'importe quoi, frère. Compris. Mais non. Si ça finit la faute, c'est Kim qui prend. Donc, qu'il aide JP, ça l'aide, c'est pas cool. Non, c'est pas Kim qui prend, c'est un Team Mumbai. Non, 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 c'est Kim qui prend. Non, c'est. Alors. Moi, je ne l'aide plus. Montrez les ardoises. 100 millions, 100 millions, 120 millions. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah, j'ai rien à foutre. Ce béder avec de la burrata, bourré Nina sur le mont Fujiya, c'est la jouissance, c'est la jouissance. Faut le dire avec le son de Naples, j'imagine. Mmh. Alors, la réponse était de 86 millions. Bien joué. Monsieur Parmanov, vous êtes le plus éloigné. Faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort. Bah, t'as faux à chaque truc. Les couilles, bon. Et j'ai compris que t'en bats les couilles, mais tu prends des balles. Moi aussi, je m'en bats les couilles, c'est toi qui les prends, mais voilà. Pas, ça fait quoi? Et attendez, il y a peut-être une menace qui va arriver. Vous inquiétez pas, quoi. Ça fait une vas-y. Une menace. Je sais plus. Ta mère. Hein? Non, c'est juste de la méchanceté et des insultes. Alors. Allez, prenez place. Mère, je vais prendre plaisir à vous voir souffrir. Prends plaisir. Assez en place et en silence, s'il vous plaît, monsieur le stagiaire. Monsieur le stagiaire, calmez-vous. Non, je suis pas stagiaire, alors ferme ta gueule. Mais oui, monsieur le stagiaire. Okay. Allez, allez, prenez place. Hein? Prenez place, stagiaire. Ferme ta gueule un peu. En silence, s'il vous plaît, en silence. Recule un peu. Je veux qu'on vole bien. Non, stagiaire, stagiaire. Oui, oui, oui. Fusillez-moi ce stagiaire. Qu'on voie bien. Allez. Tu le vois, mon... Tu le vois, mon... JP. Tu le vois. Tu le vois. Allez, allez. Attends, on le voit à la cape, tu fais ça? Non, non, attends, attends, attends. On voit pas, on voit pas. Tu le vois, mon... Tu le vois. C'est bon? Allez. 3. 2, 1. Donne la balle. Le setup, le setup, le setup. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Le setup, il a un cœur. Il a une plaie. Il est là, le. Ouais, il a une plaie. Il est là, le cul. Il marche tellement bien avec sa brise. Tu marches comme ça avec ta plaie? Ouais. T'inquiète pas, cassez-moi la jambe. Il va aller au saut, Mais attendez, il y a peut-être une menace à récupérer. T'as les jambes bien bleues. Ah, mais tu crois que c'est à nous? C'est nous, on choisit où on tire? C'est aléatoire. Aléatoire? Bah oui. Mais Gwen, je suis pas énervé, wesh. En gros, je parle auprès de la communauté, c'est réel. Et ouais, les gens se tirent dans le chat, ils pensent tous comme moi. Il est là, il fait le canard pour une meuf qu'il a jamais vue, gros. On lui envoie des chiens, il respecte personne, il s'excuse même pas rien. Ouais, il est pas énervé, grosso modo, c'est le porte-parole de la communauté. Wow! Non, le setup! T'as pas mal! Le setup! T'as pas mal! Oh, niquez ta mère! T'as dit t'as pas mal. Calmez-vous. Asseyez-vous. Souffre. Ici.
Allez, prochaine question. Ici, Pormanov. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors. Calme-toi, gros. Il a les jambes bien bleues. Lève un peu les. Enlevez vos pieds, ça va. Lève un peu le short. J'ai envie de voir. Le gros. Alors. Aïe, ça va. Waouh. C'est bien bleu. Alors. C'est bien bleu. C'est bon, lâche ton téléphone. Lâche ton téléphone. Ferme ta gueule. Là, je le tiens alors. Là, je fais ce que je veux. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Attendez, nous avons un don ! Enlevez le mot des mots. Arrêtez de faire la victime en disant que t'es tout seul dans ta vie et tout, parce que franchement, c'est pathétique. Genre, t'as Owen et Safine et même les autres, enfin, ils sont là pour toi. Et toi, tu calises que sur des meufs parce que t'es un BDG, gros. Faut arrêter maintenant de croire que les meufs, c'est la vie, hein. Franchement, clairement pas. Ferme ta gueule, occupe-toi de ton. T'as compris ? Merci pour le don ! Occupe-toi de ton. Non, merci, merci. Ils ont le droit d'exprimer leur colère. Ils sont là tous les soirs. Ils viennent te voir. Toi, tu leur chies à la gueule. Moi, je comprends leur colère. Vous pouvez remettre en mode émote. Mode émote, s'il vous plaît. En quelle année est sortie la Nintendo 3DS ? Naruto, au nom de tous les gars du tchat de gage le parce qu'il m'énerve à faire le malin alors qu'il est en tort, sinon les gars à minuit, puis on fait grève et on revient à minuit, hein. JP4. Mouvement de grève qui s'amorce, les gars. Bah vas-y, la réponse. Tu as mis le tchat en colère. Tu as mis la communauté en colère. La réponse. Je suis chez humain, ferme ta gueule. La réponse, s'il vous plaît, parce que ça m'énerve. Montrez les ardoises. 2010, 2011, 2015. La réponse était 2011. Nous avons une top réponse ici. Et... J'ai vu 2011 moi aussi, j'ai vu. Monsieur Pormanov, vous êtes encore le plus éloigné de la bonne réponse. Wallah, on est trop fort. Je vais prendre une balle, moi. Ferme ta gueule. Moi, je la ferme, mais allez prendre votre balle. Exact. Ferme ta gueule. Oh, il est pas mis une balle où ? Regardez, les gars. Ferme la main. Deux frères. Deux frères, un fauve. Deux frères ? La fierté. Deux frères, un fauve. On parlait avec frères. Si seulement. Là. Si tu quittais pas le live et tu restais soudé à tes frères. Ouais, bah, si mes frères ils me casseraient pas les couilles et que je dis rock, qu'est-ce que j'ai dans la tête. Hein. T'as dit quoi? Ça peut faire un bon trait, ça. J'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai dit rang. Est-ce que je dis range? Ouais, ok, mais je prends un peu ta gueule. S'il savait ce que je range dans ma tête. Je pense qu'il mérite une petite torgnole. C'est quoi ton problème? C'est Nina. Grève à minuit, les gars. Oh, les gars, grève à minuit. Hein? Il a dit son problème, je m'en bats les couilles. Ah, ok, bah vas-y. Alors! JP. Attendez, attendez! Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre! Sérieusement, JP, tu remarques pas qu'ils te détestent tous? Regarde la haine dans le regard de Owen. Franchement, excuse-toi de comment tu réagis et c'est bon, on en parle plus. Mais tu abuses là. JP. Il est réfractaire! Non, mais il pense qu'il a les mariages. Écoutez! Jean Bourse Molle, si t'es pas content, retourne à voir puis ta mère comme tu l'as fait pendant 40 ans. Ah bah niquer ta mère, la race des. T'en parles pas de ma mère, nique tes gros morts. Allez, vas-y. Ça fait un peu beaucoup d'insultes. Allez-y. Mouille le maillot. Mouille le maillot, casse-toi. Tu veux que je te le mise où? Tu veux où? Tu rouges moi où? Après, elle ouvre la tête, elle ouvre le cul. Elle ouvre la tête, elle ouvre le cul. Je sais pas. Dis, je la veux dans le cul. Je la veux dans le cul. Dis-le clairement. Toi, ferme ta gueule. C'est ce qu'elle a dit Nina hier. Je la veux dans le cul. Allez, go. Une burrata et un peu dans le cul. C'est marrant, gros. Waouh. Super marrant. Bah, le chat rigole en tout cas. Super marrant. Vous l'avez où la burrata? Vous la voulez où? Sur les pattes ou dans le cul? Ta mère, burrata. Madame, vous l'avez où? Allez, JP. Vous la voulez où la burrata? Oh, t'as perdu ton sens de l'humour ou quoi? Ou t'en as jamais? Ta mère, gros. Grossophone. Prends pas les goûts. Calme-toi, gros. Ta mère, j'ai pas dit pas grossir ta mère. Calme-toi, gros. Carton jaune, monsieur Hamdaoui. Monsieur Hamdaoui, c'est la dernière fois. Votre cul, la dernière fois. Barre-toi, on veut plus de toi ici, sale chien que t'es va. Naruto, je t'aime fort, mon frère. Il faut se calmer, monsieur Pormanov. Il faut se calmer, mettez-vous en place. En place. Allez. Bien sûr, c'est bon. Vas-y. Ah, il a hâte de l'avoir dans le cul, je crois. Vas-y. Moi, je suis prêt. Tu me dis quand c'est bon. Et une burrata. Calmez-vous. Ne frappez pas le gosse. Ah, t'es chien, je vais péter la porte de toi. Ne frappez pas le gosse, ok. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'en ai rien fait. La vérité. Je vais manger une queue de poulet. J'ai rien fait.
Moi, je suis triché comme ça, merde, arrête. Oh, il a mis le nuque. Wesh, il a rien fait. Tiens, je suis désolé, Diouf, j'ai même pas entendu ton nom. Wesh, il a rien fait, mes skins. Oh, il a mis le nuque. Oh. C'est quoi? Mais il a fait quoi, wesh? Je sais pas, mais. Mais il a évacué toute sa haine. Bon, Kim, je vais te venger. Allez, c'est pour vous, toi. C'est pour vous. Moi, je tire au nom de la commune. C'est pour la commune. Moi, je tire. Moi, je tire au nom de la commune. Je baisse toute la commune si je bouge. Moi, je tire au nom de la commune. Ouais, tu tires au nom de la commune. Mais tire au nom de la commune. Moi, tu la veux où, celle-là? Dans le commune. Ça prend visé, bande de. Je tire au nom de la commune. Tu la veux? Ta gueule, on la ferme. Tu la veux où? Tu la veux où, gros? Tu la veux où, ta mère? Comme toi, frère, c'est bon. Comme la bourrata. Attends, chute. C'est malade. Comme la bourrata. Il a vu comme la burrata. Je pense que ça veut dire je sais, ouais, dans je le sais. Cul. Quoi? Ne me regardez pas comme ça, je peux vous expliquer ça pour moi. J'ai juré, tu sais pas à qui tu parles par contre. Fais gaffe comment tu parles, car si jamais ça te retrouve, il y aura pas Owen pour te défendre. Oh non, 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 j'ai peur, regarde, je trempe. Allez, vas-y, place-toi. Tu vas moins trembler. Par contre, trempe pour durer. Alors. Tu la veux où? Dans le creux de la jambe. Juste dis-nous, tu la veux où? Dans c'est pas un truc de fou. Nique ta mère. Dis-nous, tu la veux où? C'est bon? Bon, comme la burrata. Okay. Comme la burrata. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Ça c'est pas pour être méchant. Attendez. Mais c'est grave décevant JP. Tu nous as menti pendant des jours à dire que t'avais arrêté de fumer et tout au final t'as mené en bateau tes frères et la commu. Je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose. Une seule chose. Juste une chose. Je m'en bats les de ce que vous pensez de moi. Voilà, je m'en bats les rats, je m'en bats les steaks. Vous pensez ce que vous voulez. C'est vous bon, pensez que chose. J'ai fumé, j'ai fumé. T'as une vous chose. Pensez que j'ai fait un truc, t'as j'ai fait... fumé un truc. Fait vous choses. Pensez que j'ai vos mères, j'ai vos mères. Fermez-moi, fermez vos gueules. Ça fait 4 choses. Oui, mais je dois tirer, s'il vous plaît. Placez-moi. Allez, tu la veux où, JP? Dans la burrata. Mais je te demande. Je même pas. Nique ta mère. Je te demande juste, tu la veux où? Nique ta mère. C'est moi, j'ai entendu. Je crois qu'il la veut comme la burrata. Je sais, c'est moi, j'ai entendu. Vas-y. Oui, la tu vas voir. Il veut comme l'after. Tu vas voir. Burrata. Oh, ça va, je vais bien. Non, je suis bien. Aïe, mais pourquoi moi? Castagiaire dernier de la classe, mais ne sait pas. Nina n'a jamais voulu de toi, vieille cèpre. Tour à oui, puis. Bon courage, madame Joël. Tu vois, je trouve qu'on va arrêter notre jambe. Ouais, tout. Arrêtez. Il m'a fait mal. C'est un queue rouge, toi, c'est normal. Oui. Mais t'avais des marques. Non, c'est normal. T'as jamais fait un queue rouge. T'avais un queue rouge. Vous avez montré Kim? Non, Kim aussi. Mais frère, c'est un queue rouge, c'est ça. Il marque vite, il marque vite. La claque qu'il a mis à Kim, elle était. Gratuite. Elle était gratuite. Mais en même temps incroyable. C'est pourquoi il a frappé Kim? Quoi? Je sais pas. Il voulait te frapper. Parce qu'il avait peur de te frapper. En fait, quand vous le voyez arriver et faire la grue devant quelqu'un, ça fait trop rire. Il se déploie comme les. Vous avez vu les. Il a trop envie de te frapper. Les au dernier moment, on dirait un pan. Il arrive. Déjà, il met, je sais pas pourquoi, il met les bras loin comme ça. Là, il arrive comme ça. Il arrive devant quelqu'un, il fait. Place-toi, viens. Avec la framboise, il fait toujours sortir la framboise ici. Ah, place-toi. Voilà. Il se déploie. Il se déploie comme une migale. Oh, il fait trop rire. Une montre religieuse. La vie de ma mère. C'est l'ulti de Fidel. Et après. Voilà, c'est l'ulti de Fidel. C'est voilà, l'ulti de Fidel, il a pas fait comme ça, il reste là. Non, c'est Élise. Il se transforme en araignée. C'est l'ulti d'Evelyne. Ah non, il me tue. Incroyable. Oui, avec la framboise elle est magnifique. Bah les gars. Ah vie de merde. Bah les gars. Oh, on peut pas mettre le son à chaque fois qu'il arrive. Y'a pas qui peut faire un montage. Qui peut faire un qu'il a une... Bah les gars, il fait une compile de tous les ultis. Oh là, j'en peux plus. Bon, vas-y, faut l'appeler par contre. C'est une compile à 1 million de vues, minimum, je vous le dis. Gandalf sur le pont. Vous ne pas. Oh, mais non, faut l'appeler. J'avais trop parlé français là. Une gargouille. Hein? C'est un autre délire si c'est JP qui dit. Ah, vous ne passerez pas, c'est. Non, il peut pas parler. Non, il peut pas parler, il a la framboise dehors. Non, vas-y, appelez-le. Là, t'as déjà vu les mecs qui sautent, mais pas, ils font pas du parachute, ils font du wingsuit là. Ah, ils se déploient d'un coup.
La mère, c'est un fou. Let it go. Bah, appelez-le. JP, c'est bon? Demain, il peut plus marcher, demain. Quoi, tu veux faire avec le masque, là? Vas-y, viens au milieu. Tu vas boucaner avec un mec. Quoi? Quoi encore? Oh, les gars, là, on arrive dans une petite catégorie de streamers. Ok? Là, le thème, ça va être sur les streamers. Voilà, là, il y a 5-6 questions sur les streamers. Ready, girl! JP! Quoi? Je veux pas les mots, là! Ouais, bah, j'ai rien à foutre. JP, direction Wapi, tu vas retrouver ta machine à café, ta dégaine de clochard et ton RSA, grosse merde d'assister, tu es moins arrête autonome de prendre la nicotine, qu'une personne comme ça, en ça situation est de handicap, taper ainsi, c'est vrai. C'est bon, au moins, ce truc? C'est pas bon de prendre la nicotine. Et les trucs de réglisse, t'as essayé ou pas? Ça va ou pas? Tu peux fumer directement la cigarette électronique. Pourquoi? Je sais pas. T'as le fait en cachette. Non, non, mais la nicotine, c'est rien, les gars. C'est ce qui te donne l'addiction. Non, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas. C'est, pas, c'est ça qui lui donne la mais c'est pas mauvais pour la santé. Non, mais tu sais quoi le problème? Le laser, tu sais, ça sert à quoi? Attends, le verre, le seuil du plaisir. Donc quand tu prends de la nicotine, ça te rend le seuil mais du plaisir. Franchement, le laser ne sert à rien. J'ai parlé avec un médecin et même le pharmacien, ils m'ont dit à peu près la même chose les deux. Le ce qui est dangereux dans la cigarette, bon, c'est tout ce qui est fumé pour les poumons et tout ce qui est à goudron et tout dedans. Oui, ça, c'est ce qui est dangereux. Et mais lui, pourquoi il fume? Parce qu'il y a de la nicotine. Non, parce qu'il y a du goudron. Pas, c'est pas que ça. C'est pas parce qu'il y a du goudron. Non, c'est pas que ça. C'est tout c'est un addictif. Truc, c'est un addictif. C'est tout un truc psychologique. Qualificatif. Ouais, bref. Alors. J'ai appris ça en cours. Quel est? Par contre, éloignez-vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu de triche. Monsieur Pormanov, vous voulez pas vous mettre triche au milieu? Il y a zéro triche. Non? Je vais te parler sérieux, il y a zéro triche. Quel est le plus gros pic de viewers de Gotaga? Gotaga? Ouais, Gotaga. Tu vois qui c'est, Gotaga? Le beau-frère Hakim. C'est un master kill en plus. Le beau-frère Hakim. Ouais, c'est sûrement un master kill. Je vois. Il a jamais fait de grosses émissions de fois. C'était pour un Z-Event. Je pense à vous. Regarde pas, ouais. Ne regarde pas ce qu'il met. Je regarde pas. Ne regardez pas. Le record. Mets-toi là-bas, mets-toi bien. Mets-toi là, à la limite de la cam. C'est bon, moi je. Il n'y a plus quoi encore. J'ai vu vos chiffres. Alors montrez. Viewer, hein. Montrez vos ardoises, s'il vous plaît. 300 000, 250 000, 200 000. Le record est de 405 200. Et c'est monsieur Naruto qui est le plus éloigné. Attends. Là, c'est le record 405 000, c'était Inoxtag au Z-Event. Ouais. C'est pas Gotaga. C'est pas Gotaga. Ah bon, non, appel. Alors Inoxtag, c'est 485 000. Allez, va. Mais Gotaga, c'est combien alors? 400 000. Ah ouais? Inoxtag 485 000. Il avait fait une émission. C'est malin. Je pas la 405 200. Bizarre. Bizarre, hein? Bizarre. C'est faux. Non, c'est Zerator, pas Inox. Mais bien, c'était 240 000. Mais je suis sûr à 100% carrément. Non, mais les gars, j'ai les chiffres. C'est faux. Pas mal de streamers, j'ai les chiffres. Ben, on regarde en plus. Non, regarde pas, tu risques de voir les autres et il y a d'autres streamers. Non, je vais écrire le record de Gotaga. Ok, mais non. Pourquoi? Ah, on regarde après une fois que j'ai fait des trucs de streamers, si tu veux. Tu vas te manger une balle gratuite. Non, c'est vrai, 405 200. Il y a tout le monde qui dit faux, c'est bizarre. C'est vrai. Pas oh là là. C'est faux, mais je vais les regarder entiers. C'était 240 000. 405 200. Allez. Faux, c'est 240. Regarde, tout le monde le dit. Bon. On peut aller sur le... Moi, j'ai le site exprès qui dit son pic exact. Son plus gros pic de sa chaîne. Je l'ai. Tac. Hop. Et je l'ai, frère. Je le site. C'est stats. Twitch. Tac. C'est Streamshark. Tac. On tape Gotaga dans la barre de recherche, c'est simple. On va pas en droite. Gotaga. Tac. Donc on est bien sur sa chaîne. Son pic. Non, là c'est le mois. Moi oui, je oui, vais... faut vous mettre. T'as mis tout. C'est où tout? Attends, Overwatch. Le record, hein. Overview. Y'a pas un anglo Ouais, parce qu'il y a le truc là en ce moment de Fortnite. Attends, je sais qu'il y a une stat où on peut voir tout. Là, faut juste que j'ai le chiffre sous les yeux. Change la date. 405 200 viewers lors du Z-Event le 31 octobre 2021 sur la chaîne de Gotaga. Allez. Mais bizarre. Pour la contestation, est-ce qu'on rajouterait pas un petit tir de plus? Non. J'aimerais bien un peu tirer, moi. C'est le chat qui décide. Les gars. Non, j'ai le droit de regarder. Oui, oui, je vois du oui. J'ai le droit de regarder. Non, mais à chaque question, on commence à contester. Ça peut vite m'énerver. Conteste et carton jaune.
Monsieur Amnaoui. Monsieur Amnaoui. En place, monsieur Amnaoui. En place. Allez, vas-y, tirez. Est-ce que je peux tirer à la place de JP? Non. Oui, JP l'a dit oui. Non, JP moi, me donne son tir. JP me donne son tir. Merci. Ah, okay. Merci le chat. J'ai horreur qu'on me contredise et qu'on doute de ma sincérité. Donc, je vais tirer à la place de JP. T'as vraiment tiré à la place de JP? Oui. Ok. Ah, te rate pas. Y a zéro souci. Y a aucun souci. La tête dans le test que tu viens de faire, je ne l'oublie pas. Et regardez bien. En place. T'as vu comme c'est de la triche? En place. Regardez comme c'est de la triche. En place, s'il vous plaît. Regardez bien ce qui va se passer. Oh, je me casse le à faire les questions, à trouver les réponses, etc. J'arrive, on me met en doute. On met en doute mon travail. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Merci pour le sub. Merci Diana. Allez, vas-y. Attends, tu vas vraiment tirer à la place de JP? Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais c'est pas grave. J'étais à vendre des règles. Non, rate pas exprès. Non, je rate pas. Aïe. Merci. Mais frère, il y a de la triche. J'allais tirer normal, mais là je suis obligé de mettre le tir du tigre. C'est pas grave, y'a de la triche. Y'a de la triche, c'est pas grave. On accepte la triche. Y'a pas de soucis. Allez, vas-y. Bientôt la grève, les gars, dans 12 minutes. Vas-y. Alors. Vas-y, pas grave, j'encaisse. Encore. T'encaisses. Ouais, mais vas-y. Ok. Ça va. La tête de l'enquête, ça va. Pas mal. Nique ta prise dans le cul. Pas mal. Ça va. Pas mal. Solide. Ça va. Homme. Alors, par malheur, mon Dieu, s'il te plaît, qu'il ne s'écarte pas trop de la bonne réponse. C'est toi qui as accepté que c'est lui qui tire. J'ai pas oublié. Ma vengeance se fera sur toi. Quel est le plus gros pic de viewer de JL Tommy? Montrez les ardoises. 100 000, 115 000, 130 000. On voit pas. 100, 115, 135. La réponse était 261 700. C'est lui le plus loin. C'est moi le plus loin. C'est Safin qui est le plus éloigné. Et non, c'est Kim. Tu Mumbai, mon gars. C'est Kim qui prend la main. Il a rien demandé, Miss Kim. Tu Mumbai, tu Mumbai. D'après une étude scientifique marocaine, le tout premier homme préhistorique qui a existé avait un QI de 72, un de plus que JP le Golemon qui a 71. De la part de Aziz Boumounetti, bête lui une deux cicasses. 3, 2, 1. On continue là? Ouais. Vas-y. 3, 2, 1. Regarde. Non, t'as perdu. Oh, t'as vu. Bon, tu vois, tu peux pas dire qu'il y a de la triche. Là, tu peux pas dire qu'il y a de la triche. Au moins, c'est équitable. C'est équitable de quoi? Tu m'as baisé. Arrête de changer. Les gars, je change pas les règles. Vous doutez de mes réponses. Vous me remettez en cause. C'est pour ça qu'il paye, c'est pas pour défendre lui. Tu vois comme elle a fait doucement pour lui. Regarde comment elle va faire. Tu la veux où? On va les couilles. Une burrata? Au pire, fais doucement. Écoute, j'allais tirer fort, mais vu que tu l'as donné à Gwen, c'est pour ça que je tirais doucement. Au pire, fais doucement comme ça, c'est équitable et y'a que moi qui tire et l'allume. Et après, on recommence sur de bonnes bases. Vas-y. Allez. Tu vois? Au moins, il peut pas te dire je sais pas quoi. C'est bon. Gwen va dehors aussi. Il a fait une burrata. J'ai tiré doucement. Je crois que ça a touché les couilles. Et oui, passé 40 ans, les couilles descendent au niveau des genoux. Alors. Je te touche pas, Voilà, la prochaine fois, je te dis simplement. Je réjouterai. La prochaine fois, mal ou pas mal, opéré ou pas opéré, tu fais comme tout le monde. Ouais, oui. C'est une menace? Un peu. Je prends la boîte. Ah, je la tiens. Je vais la chercher moi. C'est vraiment moi. Oui, j'ai eu les couilles. Mais comment il a pu t'avoir les couilles dans le dos? Oh putain, il a fait un ulti. Il a fait un ulti fiddlestick. Ben les gars, cassez-vous les couilles avec vos menaces de fils de p'tit. De menaces si j'en ai envie. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Mais vas-y, casse-toi, mais vas-y, barre-toi en fait. Je suis trop gentil avec toi. La boîte. Et oui, voilà. Il a fait un bête. Tu auras plus de chance avec la boîte qu'avec Nina. Allez les gars. Ferme ta gueule. Tu la veux où? Ferme ta gueule. Tu la veux où? Ferme ta gueule, fils de pute. Bah allez, go! De mort, fils de chien, c'est mort. Hier, Nina a dû se faire défoncer la boîte. Alors! Dites ta mère. Une burrata? Ferme ta gueule, fils de pute. Je pense que c'est une burrata. Ferme ta gueule, fils de pute. Dans la boîte à caca. Dans la boîte à caca. Allez, mets-toi en place. Comme Nina hier soir. Alors! Toi, t'es obligé de dire comme Nina, comme hier soir? C'est ça fait. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit ou pas?
Non, c'est toi qui m'as dit. Non, mais t'as un problème, c'est moi. T'as un problème d'audition. T'as un problème d'audition. Comme Nina hier soir. Moi j'ai dit. Redis-le, Safine. Comme Nina hier soir. Comme Nina hier soir. Bien sûr. Ça ressemble à mort. Non, vas-y, on va dire chacun un truc, tu te dis c'est qui. Ta mère, voilà. Ok. Ta mère, ma mère. Ça sera tout en quoi, ça nique ta mère. Voilà, tout en moi, de toute façon, voilà. Dans la boîte à caca, comme Nina. Ferme ta gueule. Voilà, et là c'est qui? Ferme ta gueule. Allez, tu la veux où? Tu la veux où? Nique ta mère. Vas-y, c'est bon. Dans la burrata, s'il vous plaît. Je vais essayer vraiment de viser la burrata pour le coup. Nique ta mère. Fais gaffe. Toi, tu te tournes. Toi, tu te tournes. Attends, le. C'est bon, j'arrive. La hanche, c'est pas bon, le cul, c'est pas bon. Depuis tout à l'heure, tout le monde prend des tirs. T'es le seul à râler. C'est moi le codo. Mais pourquoi je suis tourné? C'est ça. Oh, heureusement que je me suis arrêté au dernier moment, j'ai pas tiré fort. Faut que j'aille la descente. Je suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh, mais c'est embêtant. Là, je suis trop indécis, j'ai le nuage en jaune.